d'instruction pour les femmes, les filles et les hommes qui veulent se pousser sans danger à travers les écueils du plaisir. Les femmes ne font pas moins de prouesses avec leurs éventails que les hommes avec leurs épées. Le faire glisser dans la main. Je vous hais. Le faire tournoyer dans la main droite. J'aime quelqu'un d'autre. Le faire glisser sur la joue et le poser sur le menton. Je vous aime. Quand la mère entendit cela, que sa fille est tant amoureuse, je la mettrai religieuse, religieuse, dans un couvent. Quoi ? Serait-il bien possible, mon père, repris-je tout ému, que ce soit là un serpent, et qu'il soit aussi dangereux que vous le dites ? Hélas, il m'a paru si doux. Il n'a mordu aucune de mes compagnes. Je vous assure qu'il n'avait qu'une très petite bouche et point de dents. Je l'ai bien vu. Le beau du jeu n'est connu de l'époux. C'est chez l'amant que ce plaisir excelle. De regardant pour y juger des coups, il n'en faut point, jamais on n'y querelle. Or, devinez comment ce jeu s'appelle ? Voilà en gros tout le plan.